dans ce nouveau vlog. Nous sommes samedi. Je parle pas très fort parce que j'ai mal à la gorge. Il est 7h30. Moi, je suis levée depuis 6h45. J'ai fait le montage du vlog qui sera en ligne ce matin. Là, il est en train de s'enregistrer sur l'ordinateur. Ensuite, je vais le mettre à charger. Là, je m'apprête à aller prendre mon petit déjeuner en terrasse. J'ai proposé à Com, qui est déjà levé, de le prendre avec moi, mais il me dit non, il fait froid. En fait, il fait quand même 23 degrés à 7h30. Donc, je m'apprête à aller prendre mon petit déj en terrasse. Il fait un petit peu frais, c'est vrai. Mais du coup, Com ne veut pas venir avec moi. Mais moi, je vais me faire plaisir. Pour une fois, puis là, j'ai le temps. En plus, le soleil est encore loin d'arriver sur la terrasse. Donc, j'en profite. Là, j'ai voulu ouvrir la fenêtre, mais en fait, non, parce qu'il est là, le soleil. Donc, non. Donc je vais me préparer mon petit déj et puis je vais aller m'installer tranquille. Bon les amis, il est 11h07, nous sommes en voiture, nous allons au centre commercial. Donc j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de monde étant donné que les soldes ont commencé mercredi, ça risque d'être tendu. Mais là clairement c'est insoutenable, on a fermé les fenêtres, les volets, tout ce qu'il faut dans la maison et c'est quand même une fournaise. Donc on va aller acheter une piscine. Je ne pensais pas en installer une avant de partir en vacances. Je pensais plutôt le faire en rentrant, mais voire même au mois d'août. Mais là honnêtement on a trop chaud, c'est pas possible. Donc pour l'instant on ne sait pas trop si on va acheter une piscine vraiment. Je vais aller voir les prix déjà parce que. Si c'est trop cher, t'as dit que tu prendras des piscines. Voilà. Si les prix des tarifs sont trop chers, parce que du coup je voudrais une bâche pour le dessous, une piscine, une bâche pour le dessus et un tuyau d'arrosage. Donc si tout ça, puis ça coûte plus de 100 euros, non le barbecue c'est à part, mais si le combiné piscine me revient à plus de 100 euros, c'est mort, je le prends pas. Du coup on achètera juste un tuyau d'arrosage et des pistolets à eau et on essaiera de jouer avec de l'eau comme ça pour se rafraîchir. Voilà, donc là du coup on part faire les magasins, on va essayer de trouver un barbecue aussi. Pareil, je ne mettrai pas un prix exorbitant, mais j'en ai trouvé à 13 euros chez Centraccord au pire, donc je sais que je peux en avoir un peu pas cher. Et du coup ce soir on essaiera de se faire un barbecue à la maison, ouais. Avec Eric du coup et Anaïs qui sera arrivée. Ouais. Voilà, donc on part dans la zone commerciale et puis bah, on vous fera un petit haul shopping en rentrant. Ouais. Voilà. Bisous. Bon, c'est très bruyant ici, je pense que vous n'entendrez pas ma voix. Et nous nous sommes arrêtés au Fleurouche. Alors, on en a perdu un, je crois. Ah non, il est derrière la carte. Et vous mangez avec vos casquettes, sérieusement? Marceau. Marceau. C'est bon ce que tu manges? Et là, sur la table à côté. C'est bon ce que tu manges? Tu m'étonnes. Moi j'ai pris un steak sauce au poivre avec des frites. Et j'ai mangé en entrée du melon avec du jambon fumé. Et en dessert j'ai pris une tropézienne et un petit peu de fraises. Bon les amis, il est 17h25. Anaïs n'arrive que dans 20 minutes. Je suis garée pile devant l'endroit où elle arrive et en plus je suis à l'ombre. J'ai ouvert les fenêtres et avec le passage en fait des voitures dans la rue, ça fait des courants d'air, je suis trop bien là. Donc bah, je l'attends impatiemment, mais par contre on va aller prendre un verre avant de repartir parce que j'ai oublié de prendre une bouteille d'eau et clairement je suis en train de me dessécher. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne le tapis. Du coup, ça tombe pile poil sous la table, c'est impeccable. Alors, ça n'empêchera pas quand même de mettre des dalles de bois en dessous parce qu'il y a quand même un bon morceau qui n'est pas couvert en fait, même là-bas sur le côté. Donc, oui, avant d'aller au lit, oui. Et puis, du coup, le petit barbecue, 19 euros chez Carrefour, très bien. Je vais montrer la piscine, qui est en fait une catastrophe. Elle n'est toujours pas remplie parce que nous avons un problème de tuyauterie. En fait, on a branché le tuyau d'arrosage sur le robinet et il manque un joint et du coup ça fuit partout. J'ai noyé ma cuisine complètement. Donc j'ai arrêté en fait, enfin, j'ai demandé aux enfants d'arrêter de la remplir et finalement ils sont allés dedans avec les pieds sales. Donc là j'ai plus qu'à la vider et à la re-remplir demain. Voilà.
Donc ben, on verra ça demain. Eric a des joints en fait, comme il est parti avec la caisse à outils. Du coup, il a emmené en fait tout ce qu'il y avait dedans. Et donc, bah, les joints qu'on avait de côté dans les caisses à outils, là, il les a là-bas, chez lui. Donc, il va me les ramener demain, vu qu'on se voit demain matin à l'église. Il va me les rapporter. Et puis, demain, on essaiera de régler tout ça et de remplir la piscine une bonne fois pour toutes. Donc, bon, ce soir, je vais pas la bâcher. Hein, ça sert à rien, puisque l'eau est déjà dégoûtante. Je la laverai demain et puis on la re-remplira demain. Voilà. Bon, sur ce, on va clôturer maintenant parce que nous sommes dehors, il fait super beau, donc ce soir on va manger dehors. L'heure, viens le voir. C'est pas encore du gros luxe, hein, la terrasse, mais on peut en profiter, c'est bien ça le principe. C'est sur la terrasse. Donc sur ce, je vais vous laisser maintenant, les amis, parce que... du coup la FAQ que vous m'avez demandé. Voilà, et bien je vous fais des gros bisous, profitez bien de votre week-end et je vous